Yo, alors juste avant que la vidéo commence, je suis désolé du temps qu'elle m'a pris, surtout qu'elle est très courte, du coup je vais sortir le bonus juste après. Je sais pas si je fais une playlist à part. Je crois que je vais les mettre ensemble. Hein, voilà, ça serait en gros les bonus, on va faire le jeu à 100% en bonus. Voilà. Désolé du retard que je prends, je suis actuellement en train de lire Stone Ocean, d'ailleurs j'ai presque fini. Et je compte faire pareil avec Steel Ball Run. Voilà, parce que je suis un fan de Jojo. Du coup, il risque d'y avoir beaucoup de décalage entre les vidéos parce que simplement ça prend beaucoup de temps à lire et ça me crève littéralement. Je suis épuisé à en force d'en lire. Voilà, je vous laisse à votre vidéo. Ben, à plus. Mon bitus. Et on se retrouve pour le bonus numéro 1. Allez, celui-là il sera très court parce que c'est un truc que voilà. Je vous avais dit, hein, dès qu'on y était allé à peu près, qu'on avait commencé à voir, j'étais en mode, retenez ça, ceux qui ont retenu, ceux qui n'ont pas retenu, ils vont être en mode, ah, oh, j'avais oublié. Revenir ici, alors qu'il est plus là, ça fait quelque chose. Vous êtes prêts? Il a planifié ça juste sous mon nez? Est-ce que c'était qu'une idée qu'il avait en tête avant que l'interface ne le fasse basculer? Combien de temps il a pu utiliser l'appareil sans que je m'en rende compte? Oh, sûrement pas mal de temps. Vu que t'étais quasiment jamais là. On a ensuite d'autres enregistrements. Parker. Toujours l'oreille qui traîne, pas vrai? Toujours en train d'observer, de mémoriser, de voler. Qui t'a parlé de l'interface neuronale, hein? De mon travail? C'est terminé, Parker. Je te faisais confiance. Mais au lieu de reconnaître mon génie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as essayé de la détruire. Tu l'as accusée d'être imparfaite. Elle est parfaite! C'est une merveille! L'extension parfaite de l'esprit dans le monde! La pensée interprétée par ses bras incroyables! Je n'ai qu'une pensée à l'esprit en ce moment. La réputation de Norman en pièces à mes pieds. Il est temps de lui donner forme. Nadine, il est devenu totalement starbé. Il dit, ouais, mais comment tu fais pour. Comment t'as fait pour savoir pour l'interface neuronale? What? Bah je sais pas, je bosse avec C'est le toi. grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais Parker, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo! Problème résolu. Ah, ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. Ah, c'est triste. Peter dit que l'interface est dangereuse. Mais c'est un néophyte. Il n'a jamais rien créé. Il croit qu'on peut rester sur le bas-côté et éviter la boue. Mais des gens sont morts pour fonder ce pays. Ou pour aller sur la Lune. Toute grande avancée nécessite de faire couler le sang. Et c'est cette avancée-là qui nous permettra de nous libérer de la fange de Norman. Elle pourra être la plus sanglante. Je vous laisserai pas faire ça, Doc. On va trop tard. Ça saoule. L'interface neurale amplifie la rage du doc. Il s'en remettra peut-être jamais. Et c'est ça le problème. Des contrats de défense. Depuis le début, il créait l'équipement de mes pires ennemis. Il devait trouver ça très drôle, sachant que j'étais à côté, à travailler sur la tenue de Spider-Man. Salopard.
Du coup, ça c'est l'atelier du doc. Le doc n'a pas fait que renforcer les bras. Il les a transformés en armes. Ouais. Est-ce qu'on a encore des trucs à regarder? Je sais pas, moi, un truc qui aurait écrit. Oui, par contre, il y a un bretzel. Qui bouffe des bretzels? Personne, parce que c'est de la merde. Putain. Ils n'ont plus rien à faire. Il fait des Le bulles. doc est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Et peut-être aussi le plus dangereux maintenant. Oui. C'est probable. Ah là là. Ça fait de la peine de revenir ici. Genre vraiment. Surtout maintenant qu'il n'est plus là. Résistant, mais c'est super un résistant. peu flippant. Je pourrais faire ça toute la journée. Je cherche des trucs que Doc aurait mis en mode enregistrement. Comme pas, je cherche vraiment ça. Pauvre Doc. Putain, il nous a pas laissé le choix, c'est ça le pire. Il nous a pas laissé le choix. Et on va le mur, avec tous les criminels. La dernière fois que j'ai affronté Scorpion, il m'a demandé si je savais à quoi ressemblait l'intérieur de mon crâne. Et il m'a proposé de me le montrer. Un vrai bout en train. Oui. Elle va me manquer, cette vilaine bouille. Pas moi. Electro est le premier vrai super vilain que j'ai affronté. Avant lui, j'avais eu que des types normaux en costume. Electro, c'était un autre niveau. Ouais. Rien à voir. Ouais. Une brute de la mafia transformée en tank sur pattes. Si on cumulait tous les dégâts causés par Rhino, on pourrait détruire 3 fois Manhattan. Vulture est sans doute le plus futé de tous. Bon, pas assez pour éviter 3 condamnations à vie consécutive, certes, mais futé quand même. Il n'y a plus rien à regarder. Voilà. C'était le premier bonus. Voilà, les autres ne seront pas dans ce style, hein, je vous rassure. Mais voilà, si vous vous demandiez. Je gardais ça pour la fin, tout simplement. Voilà. Donc, je sais pas s'il va être. La vidéo, je crois que je vais le faire à part, même si la fin du let's play est tout simplement court, tant pis. Et voilà. On va pouvoir s'arrêter là. Je crois que c'est un bon endroit où s'arrêter. LGBT. Oh. Electro qui veut saborder notre réseau électrique. Vulture et sa mort venue du ciel. Spider-Man qui les provoque en plein cœur de la ville. Et vas-y que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah, eh bien j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but de mieux vous protéger, bien Mais, sûr. Bien Mais sûr. Après mûre réflexion, j'ai tiré un trait là-dessus. Parce que les pouvoirs vous corrompent. Je suis un homme du peuple et je tiens à rester un habitant ordinaire de New York qui travaille dur. Je ferai ma part avec mon émission, avec mon empire médiatique et avec mon immense fortune personnelle. Pas la peine de me remercier, c'est normal pour un homme du peuple. Eh ben. Ma
boutonnière du bal de fin d'année. Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Beau symbole de ma vie sentimentale. Allez, on va se laisser là. Salut pour ce premier bonus.